Yo tout le monde, c'est Lunari, on est parti sur le 9ème épisode sur Mario et Luigi et Bowser. Donc, on va se faire, chercher le Bilball. Exprès pour, bien bruner, donc, c'est parti. Bowser va chercher son propre Bilball pour aller tirer sur son propre château. Et donc, bon, on aspire. Comme dame. Bon, même s'il n'y a pas tant de... Bon, il a fui, d'accord, il a fui. Bon, j'aimerais quand même voir ce que c'est. Ok, 1, 4, 2, 3, d'accord, c'est retenu. C'est retenu. Showtime. Bon, il n'y a toujours pas de petit chat là. C'est vraiment chiant. Bon, il s'est pris ses propres trucs là. Bon, là ils sont brûlés donc ils vont pas tarder à crever. Et c'est encore un mode frappé. Bon, d'accord. Là, c'est le moment d'aspirer à la mode gros dingue. On a gagné pas mal d'expérience et de pièces surtout. Puisque cet ennemi est principalement réservé aux pièces. Pour les pièces. Ouais, techniquement, je vais me faire cette... ce truc, je sais pas trop où ce que ça nous amènera, mais bon. Oh, je t'ai frappé à côté. T'es pas sérieux. Ah d'accord, c'est mis à l'envers. Ah oui, c'est mis à l'envers, d'accord. Ok, faut aussi que je regarde la position de la tête en fait. C'était un truc que j'avais pas pensé, mais bon. Ok, donc ça c'était pour monter grâce à là-bas. D'accord. Et je ne sais toujours pas comment accéder à ces saletés de blocs en l'air là. Bowser ne sait toujours pas sauter, ce qui est une catastrophe. Bon, je vais l'aspirer lui. Bon, allez, 20, ça c'est cool. Bon, toi prends-toi ça. Bon, j'ai attendu trop longtemps. Le coffre frappe vraiment très très fort. Bon, ok, il s'ouvre. Donc là, c'est le moment d'aspirer. À donf comme un malade. Du coup, ça le tue. Et on gagne
pas mal de sous, encore une fois. Bon, je vais utiliser un poulet sur Bowser. Il y a quand même une grosse différence notable de point de vue des forces de tout entre Mario et Bowser, mais Mario est toujours le plus fort, évidemment. Et voilà. Bon, on y va. Bon, je vais sûrement cramer tout ça. Showtime. Bon, ok, y a rien du tout à l'intérieur d'eux. Bon, lui, il se prend fou dégâts quand on arrive à... Bon, là, c'était exactement le bon moment. Ouais, je vais encore utiliser la flamme. Ce qui est une attaque vraiment superbe, la flamme, puisqu'elle attaque de groupe. Ok, j'ai fait exactement le contraire de ce qu'il fallait. Bon, du coup, on va le cramer. Ok, il est bas, il s'est barré. J'ai dû mettre trop le temps à le battre. Donc, encore un item. Bon, ça, les items, on est un peu... Une fois qu'on a compris qu'il y a un marché, quoi, bah, on est un peu largement au-dessus, quoi. Il y a que des Charizy, qu'est-ce qu'on... Un aspicot! Le clan des vulgaires cultive des légumes ici depuis des siècles. J'ai une tête à m'intéresser à tes histoires de légumes, franchement. Mais dis-moi plutôt, t'aurais pas vu un bilbrun dans le coin? Un bilbrun? Il y en a pas ici? Mais regarde plutôt ces légumes. Ok, non, attends. Ta gueule! Ok, une horloge de seconde chance, je sens que ça va être plutôt brun. Ok, la horloge de seconde chance plus sauvegarde implique boss. Regardons si mon théorème est vrai ou si mon hypothèse est réfutée. Wouahaha! Ce légume est énorme. Parfait, je vais pouvoir l'utiliser à la place du bilbon. On dirait qu'il a changé de forme. Les boules qui vont en sortir seront peut-être étranges, faites attention.
Ok, là ça va être une cata, je vais perdre plein de sous. Je trouve que c'est vachement lent et du coup c'est déstabilisant quoi. Ok. Ok, bon. Ça... Ouah. Ok, là ça va aller sur le niveau 2, d'accord. Oh mais c'est pas bientôt fini ça? Au secours quoi, au secours! Ok, là ça arrive sur la dernière phase. C'est vraiment long ce truc. En plus, c'est toujours la même chose, quoi. Allez, stop. Allez. C'est bien... C'est bientôt fini, je pense. Ok, c'est bon. En plus, on perd full pièce à chaque fois. Ouais, on perd deux pièces à chaque fois qu'on fait qu'on se fait toucher, mais je... J'ai l'impression de me faire toucher énormément de fois, donc... Allez, c'est fini! Elle est peut-être trop grosse pour entrer dans le canon. Hé, plat ! La giga carotte que le clan des Wigglers cultive avec tant de soin depuis des générations. La giga carotte qu'on cultive depuis la génération de mon... arrière-grand-père. C'est vous qui l'avez déterré? Hé, hey, toi, t'aurais pas vu un bilbrun dans le coin? Vous n'avez pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Un bilbrun? Il y en a un. Hein? Vraiment?
Un bilbourin est tombé sur ce champ il y a quelque temps. Je ne gardé rien pour moi. Vous le voulez? Ouais, à boule. Je veux bien le vous donner, mais votre attitude ne me plaît vraiment pas. Vous devez d'abord assumer vos responsabilités pour avoir arraché la carotte. On parlera du bilbourin après. Ma responsabilité? Tout à fait, cette giga carotte a été cultivée par les Wigglers depuis des générations. Vous devez prendre vos responsabilités et... la manger! Quand on récolte des légumes, on se doit de tout manger. C'est la loi du clan des Wigglers depuis la nuit des temps. Mais comment on peut manger un truc aussi énorme? Je vais en faire qu'une bouchée. J'oubliais, il a un temps limite. Vous devez la manger entièrement en moins d'une minute. Pour essayer autant de fois qu'il faudra. Pas de problème. Hors de question. Et si jamais ton maudit légume me rend malade, on entendra parler de moi. Très bien, je vous laisse goûter. Mais juste un peu. Ok, à l'attaque. L'estomac de Bowser réagit. Sérieusement, moi je le passe. Je le placerai pas aussi. Je le placerai pas aussi haut, moi. Je le passerai pas aussi bas l'estomac de Bowser. Enfin, vous êtes prêts? Alors que le mangeage commence. Oh, je sens que ça va être un jeu à stylet, moi. Bon, je suis désolé si vous entendez le bruit de ma souris. Je joue à la souris, donc... Ok, d'accord. Ça va être chaud, hein. À la souris, ça va être super chaud, hein. Cette carotte contient des enzymes qui permettent d'en digérer les morceaux plus rapidement. Parce que vous mangez un morceau. Repérez bien les morceaux quand vous avalez. En utilisant pendant qu'elle est rouge, tous les morceaux seront digérés d'un coup. Avec le temps, elle... Ok, d'accord, ça digère. D'accord. Tiens.
Oh, ça va être chaud tout ça. Comment vous voulez que je fasse? C'est dingue. En moins d'une minute, attendez. En plus, il y a un temps limite, quoi. Bien. Bon, pour la nature, le corps de l'esprit, voici le mangeage de la giga carotte. Toi, la carotte, attention à la bouffe. Au secours, je sens que ça va être mauvais. Ok, là ça va être une catastrophe. Je sens qu'il va y avoir de la coupure, hein, je vous le dis. Les petits mini-jeux là, la souris c'est vraiment pas mon fort donc... Voilà, donc après... ok, si on regarde la proportion de carottes que j'ai mangé, ça va être une réelle cata. Ok, 11 secondes. En fait, faut vraiment avoir l'œil pour le faire, c'est dingue. Oh là là là, kata. Bon bah kata, hein, kata. Je vais réessayer, d'accord. Bon d'accord, bon. Après c'est pas aussi... C'est pas tant épique que ça maintenant que c'est des carottes normales. Du coup, je pense pas qu'on aura le même prix. Allez, là c'est bon. Là, quand j'ai l'œil comme ça, ça me plaît. Allez, 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 allez. Je crois avoir compris un peu ce qu'il fallait que je fasse. Maintenant. Bon, après les petits trucs comme ça, c'est chiant à toucher. Bon, on a déjà fait la moitié et bon, là c'est vrai, je me suis vraiment planté, mais ok, là 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 là.
Il reste 30 secondes et j'ai pas du tout regardé le truc précédent. Ah oui, c'était vraiment beaucoup plus tôt, donc là c'est une vraie catastrophe, donc ok, d'accord. Ok, il reste 13 secondes. Donc c'est dans les tout débuts. Ok, bah du second coup c'était bon. Oui, nous avons un nouveau record. En 47 secondes, bravo. Un bleu, c'est bien... Enfin, il n'y a personne dans le coin, mais bon. J'ai pris mes responsabilités. Un boule de pile pour nous. Allons, calmez-vous, pas de précipitation. File-moi le bilbrun. C'est bon, tu vas me donner ce bilbrun ou quoi? Comment? De quoi vous parlez-vous? J'ai oublié. Tu te moques de moi? Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. J'aime pas du tout votre attitude depuis tout à l'heure. Vous arrachez la gigacarotte, vous mangez la gigacarotte. Vous allez devoir subir mon terrible courroux. Mais c'est toi qui m'as dit de la manger. Sur l'honneur du clan des Wigglers, je vais vous chasser de ce champ. Essayez donc pour voir. Bon bah ce sera un épisode légèrement plus long. D'un autre côté, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, aller sur... D'accord. Je t'ai rien demandé. Ok. D'accord. D'accord, monsieur invulnérable. Oh là là. Allez, spam vite. Bon, allez, juste bute-le, quoi. Oh, c'est pas terrible de faire des sauts comme ça. Mais vous vous fichez de moi ou vous voulez que... je vous apprenne les bonnes manières, là? Ok, donc... le but c'est de sauter, tu vois? Tu sautes comme ça, tu pas comme ça. Et tu frappes pas dans le vide aussi. Tu vois, Mario a déjà fait le sien, il a fait beaucoup plus de dégâts que toi, pour l'instant. Hein, Mario? Il va même le finir, le tien. Tu vois? Bon bah ok, je vais utiliser un poulet sur moi. Bon, je vais essayer de te... oh là 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 là.
c'est quoi ce truc? C'est du gros n'importe quoi. D'accord. Ok, donc ça c'est du gros n'importe quoi aussi, ça fait rien du tout. Je vais me faire buter, j'ai perdu. J'ai pas envie de faire de perdre face à des légumes, vous voyez. Au secours, des légumes. Je vais perdre face à des légumes. Je vais lui donner un gros coup sur la tête. Ah non, faut le calmer. Ok, le principe c'est de le calmer. J'aime bien ce principe de calmer Wiggler. En plein dans la face. Allez, on va voir ce qui se passe lorsque t'es totalement calmé. Là, ça doit être le bon moment. Ouais, non. D'accord. Un coup de poing, ça va être mieux. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, j'ai compris le principe de ce boss. Du boss légume. Les masques donnent un avantage considérable, c'est que ils peuvent faire. Ok, je suis en mode Furax, mais ça sert à rien puisque ça va être de la grosse aspi là. Ah, je pouvais pas tout avoir quand même. Bon. Bon, ok, d'accord. Cette fois, c'est au tour de Luigi de faire des efforts. Pourquoi j'ai fait ça? Je pouvais voir que c'était le bon moment quand même. Allez, en plein dans la face. Ça devrait te faire du bien normalement. Bon voilà, je me soigne. C'est un peu toujours la même chose les boss. Un peu répétitif. Non, c'est pas répétitif, mais ils sont plutôt longs, longs, longs. J'aime pas les boss longs. Parce que ça... Bah ça tue le jeu, quoi. Allez. Prends ça, quoi. Arrête de me tourner autour, tu me gaves. Ok, donc là, il va se mettre à arroser comme ça, comme un gros malade. En plus, j'ai mangé sa carotte. Il devrait pas trop me demander de choses, quoi. Non?
Là, j'ai décidé de ne pas aspirer pour justement. Pouvoir lui donner des points par la suite. De cette manière-là. Bon, après, il est tout énervé, du coup, bah. Il va me faire l'attaque. Ok, je suis en mode Furax, mais c'est le moment de te guérir, hein. Je sais, ça pique le poulet, mais bon, ok, d'accord. Toujours attaquer le derrière, hein. Parce que les radis, ça, bah, ça attaque sur les trois premières, donc vaut mieux. Lorsque vous switchez, bah. Switchez d'abord les premières. Bon, bah là, je vais utiliser un champion. Un poulet. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je vais vous montrer que ça aspire vraiment que les. Que ça touche vraiment que les trois premières. Voilà. Tout ça, c'est montré. Bon. Ils sont pas en coordination. Hein. Ok, super, ça c'est cool. On l'a éliminé. Bon, ça c'est cool. Deux coups de dégâts, je suis totalement soigné. Bon, ça, on se l'a fait. Bon, là, il se met en mode arrosoir. Il sort les radis, mais il n'y a pas de carottes. Ah bah, Bowser... Là, c'est le strike. Hein. Je sais pas ce que t'essayais de faire, mais... C'est pas bon de faire ça. Bon, je prends un poulet puisque je vais sûrement me faire frapper. Bon, là je te donne un gros coup dans la face. Je te redonne un coup dans la face. Bon, là je vais me prendre full dégâts. Il y a le radis qui va me tomber dessus. Je vais me prendre tous les radis là. Celui du haut, celui du... Plus je peux pas me baisser quand... Quand ça se met comme ça. Bon. Je me prends un champignon. Ok, bon. Pas mal de points de vie. Ouais non, je me suis dit utiliser une attaque de Goomba, sauf que c'est pas terrible du tout.
Bah là, pour le coup, je vais devoir me soigner encore. Encore, oui, encore. Ça, c'est pas terrible. Bon, je vais me prendre des dégâts. Mais je vais décider de pas absorber le radis. Voilà, ça me tombe sur la gueule, mais... Ok, bon. Oh, tu vas... Ça n'en finit jamais, hein. Ça n'en finit jamais. Ce boss est vraiment éternellement long. Ok, j'ai compris comment éviter ces légumes. Quand il fait une plantation de légumes. Bon, là, c'est... J'ai tout fait pour que le radis... Bon, ok, je vais... Voilà, mais c'est chiant, j'aurais pas dû frapper comme ça. Je le savais que j'aurais pas dû frapper comme ça. Techniquement, il faut que je me soigne. Ok, bon. Je vais essayer de le toucher, ce... Gros tas, là. Bon, tant pis. Comme d'habitude, je vais essayer de me prendre le radis. Et, bah, je vais y aller, hein. Mais t'as combien de points de vie? Zut, quoi! Ok! Bon, bah, je vais y aller en mode... En mode corne, tiens. Bon, de toute manière, ça change rien, puisque c'est toujours... Hein? Aïe, aïe, aïe! Il faut arrêter les dégâts ou... mes chances seront ravagées. Prenez ça et disparaissez au plus vite. Gouah! Je vais pouvoir utiliser dans le canon. Bon, sur ce, l'épisode aura été vraiment long, donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder d'autres vidéos. Encore merci et bye.